Je vais vous parler d'un sujet qui nous passionne tous, en tout cas ceux qui sont ici ce soir, qui est la nature est-elle de droite ? Alors, si j'avais su que M. de Crémier était là, j'aurais préparé la chose avec encore plus d'attention, mais donc, vous allez pardonner mes échappées philosophiques et nous pourrons discuter après. Il y a une étude qui est parue il y a peu de temps et dont tout le monde a rendu compte. J'ai choisi de citer le journal du CNRS pour vous en parler. C'est où sont passés les oiseaux des champs. Et donc le Muséum d'histoire naturelle qui a mis au point un suivi temporel des oiseaux communs, je trouve que le nom est plein de poésie, stock, sur tout le territoire français, aboutit à la conclusion que les espèces d'oiseaux s'effondrent. Voilà, les dernières données des programmes de recherche sont catastrophiques. De nombreuses espèces d'oiseaux sont en déclin dans tous les milieux et clairement en chute libre dans le milieu agricole. Le programme STOCK, donc suivi temporel des oiseaux communs, révèle ainsi que les oiseaux communs des milieux agricoles ont perdu 33% de leurs effectifs depuis 2001. Le pipit farlouze, par exemple, un passereau qui se nourrit d'invertébrés, a perdu 68% de ses troupes en 17 ans, tandis que la linotte mélodieuse, friande d'invertébrés à la belle saison de graines de plantes adventices en hiver, a vu disparaître 27% de ses effectifs. C'est véritablement alarmant, dit l'un des chercheurs. Tous les oiseaux des milieux agricoles régressent à la même vitesse, même les plus généralistes, ou les oiseaux des milieux boisés, qui ne diminuent pas ou peu dans leurs milieux de prédilection. Cela signifie que c'est la qualité globale de l'écosystème agricole qui se détériore. Bon, évidemment, sans surprise, ce sont les méthodes de l'agriculture moderne qui sont en cause, sachant que si jamais on réussit à convaincre les agriculteurs d'éviter de continuer à ne planter que du blé ou du maïs et d'éviter d'arroser tout ça de pesticides et d'herbicides divers, profitant de la mise en place du plan Ecophyto, nous avons convaincu les exploitants de réduire d'un tiers ou de moitié les intrants chimiques sur certaines parcelles, rapporte le chercheur. Résultat, les rendements sont maintenus, ce qui augmente les revenus des agriculteurs et la biodiversité. Pourquoi est-ce que je pars de cet exemple? C'est parce qu'on voit bien que la nature est un bien commun et qu'il y a un projet progressiste sur la nature et qu'on peut avoir un projet traditionnaliste sur la nature. Et quelle est la leçon que nous donne la nature? C'est qu'en fait, quand on essaie d'avoir un projet progressiste pour la nature, celui de l'agriculture intensive, celui d'aller contre la nature, eh bien, la nature se rebelle plus ou moins doucement. C'est-à-dire, il n'y a pas un tsunami avec Gaïa en colère qui a ravagé les plaines céréalières de l'abri, mais en revanche, voilà, les oiseaux crèvent. Il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'abeilles, et donc peu à peu, on en sera réduit à envoyer des abeilles robots pour essayer de polliniser le reste du territoire. C'est une donnée, la nature est une donnée. Et c'est une donnée en fait qui est orientée. Et tout l'objet de cette conférence est d'essayer de comprendre quelle est l'orientation de la nature. Évidemment, la nature est de droite, je vous rassure tout de suite, la question était purement rhétorique. La nature est de droite, nous avons raison, vive la France, vive le roi. Et donc, grâce à la pipite farlouze, nous pouvons prouver la nécessité du roi de France et un roi qui est Jean d'Orléans, forcément. J'ai ainsi sacrifié à tous les hôtels de l'Action française en début de conférence, mais donc on va parler plutôt donc, du sens réel de la nature et de la véritable leçon qui n'est pas du tout l'inégalité. La véritable leçon, c'est que justement, c'est que la nature est un projet. Et c'est un projet en devenir, c'est un projet en construction, et c'est un projet orienté, par une information qui n'est pas naturelle. Je vais faire un autre petit aparté, et il y aura à plusieurs moments des apartés un peu pénibles, vous me pardonnerez, ce sont des citations assez longues de textes scientifiques, mais qui me paraissent de nature à soutenir mon propos. Donc l'autre chose, c'est moins la disparition de la pipite farlouze que le fait que depuis décembre 2017, il y a 4 daims en liberté qui terrorisent l'Ardèche. Donc un propriétaire privé avait un élevage de daims et donc le propriétaire est mort. Les daims se sont fait la malle, les héritiers du propriétaire n'ont aucune envie de s'occuper de l'élevage ni des daims et donc les daims sont en train de zoner en Ardèche. En terrorisant violemment la population. Ou, à défaut de terroriser violemment la population, ils ont été repérés par des chasseurs qui, dans la crainte de se voir sucrer leur permis de chasse, n'ont pas osé attaquer les bêtes, mais en revanche, ont demandé au préfet l'autorisation d'aller les avoiner. Le préfet a dit, bien sûr, avoinons-les. Donc, la préfecture a ordonné l'abattage, la mise à mort, au nom de l'ordre, des 4 daims errants, car ils pouvaient conduire à des déséquilibres et à des désordres. On parle bien de 4 daims et de l'intégralité de l'Ardèche.
Et depuis décembre 2017, où les quatre nains sont en train de zoner, et que l'ordre de les abattre a été donné, que les lieutenants de Louveterie ont été mobilisés par la préfecture, que les associations de défense de milieu animal ont essayé de faire suspendre la décision, et que la décision a été confirmée par le tribunal administratif, évidemment, il ne se passe rien en Ardèche, qui est fait la une des journaux en matière de pelouses ravagées, d'enfants mordus et de... comment ça s'appelle, d'embouteillage monstre sur les nationales où on roule à 80. Donc, en fait, il y a l'idée que quatre nains en liberté peuvent conduire, puisque tout ça est potentiel, à des déséquilibres et des désordres. Donc, on voit que le daim est moins dangereux que les militants de la manif pour tous, puisqu'on les arrêtait avant même qu'ils manifestent, mais plus dangereux que les zadistes, puisque donc, les zadistes, eux, peuvent effectivement créer des déséquilibres et des désordres véritables, sans que pour autant la préfecture ordonne qu'on les abatte, ni même qu'on les arrête. Donc les risques sont multiples puisque ce sont les cultures agricoles, les promeneurs et les routes qui sont mis en péril par les quatre daims en goguette. Les risques que leur divagation et éventuelle prolifération représentent, car les daims copulent comme des lapins, pour l'équilibre du milieu naturel, la circulation routière et les cultures justifient donc qu'on les tue, d'autant plus qu'ils appartiennent à une espèce de gibier dont la chasse est autorisée. C'est aussi une citation. Donc on voit qu'il y a une volonté républicaine de gouvernance de la nature qui passe par le fait qu'il faut assigner des gens à une catégorie. Donc il y a la catégorie gibier dont la chasse est autorisée, donc on a droit d'avoiner les daims. Il y a le fait que les daims sont une propriété privée vagabonde et donc la chose est honteuse. Il y a le fait que les daims pourraient faire, on ne sait pas pourquoi, un véritable dommage à la circulation routière, donc une fois plus aucun accident ardéchois, aucune augmentation des statistiques ardéchoises depuis décembre 2017. Ils pourraient faire en sorte de perturber l'équilibre naturel. Ce sont des daims dans la forêt, donc on ne voit pas bien quel équilibre naturel serait perturbé, sinon celui qui est décidé par ceux qui ont décidé que la nature est en fait une fiction juridique, que la nature est une possession de l'État, que la nature est un bien commun, non pas qui s'impose aux hommes, mais qui est décidé par la communauté des citoyens réunis en kolkhoz d'hiver et en soviet plus ou moins républicain, pour décider que tel chemin est dangereux et que tel autre ne l'est pas, que telle rivière est potable et que tel autre ne l'est pas, qu'on a le droit de mettre un moulin ici et pas là, et autrement dit de faire en sorte d'engager l'intégralité de la nature. Alors, sachant que les défenseurs de la nature avaient évidemment trouvé une solution qui est typique des défenseurs de la nature de gauche, c'est-à-dire qu'il s'agissait de prendre les daims et les expédier à Sedan. Donc les daims ardéchois allaient se retrouver catapultés à Sedan, mais donc l'administration a décidé qu'il ne fallait pas que les daims partent pour Sedan et qu'il fallait les tuer. Le recours de l'association a été rejeté, et c'est ça qui est amusant, le retour a été rejeté, le juge notant entre autres choses que, citation, la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. C'est-à-dire que d'un côté, on justifie le fait qu'il faille avoiner les quatre daims parce qu'ils sont censés ravager les cultures et dégrader les routes, mais de l'autre côté, on explique qu'en fait, il n'y a rigoureusement aucune urgence qui justifierait qu'on suspende l'arrêté. Donc là aussi, l'une de ces boucles logiques dont ceux qui font profession d'être plus naturels que la nature sont coutumiers. Et le président de l'association termine en disant « Pourquoi vouloir absolument les tuer ? En France, on règle tous les problèmes liés à la faune sauvage de la même façon, on les tue. » Moi, j'y vois une magnifique illustration de la manière dont la France, d'une manière générale, règle tous ses problèmes avec ses opposants, elle les tue. Voilà, c'est la solution de facilité. On donne des leçons à des pays lointains pour qu'ils protègent leurs éléphants et nous ne sommes même pas capables chez nous de protéger 80. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'entre la disparition du pupitre farouche et les 80, on voit bien que le droit, la nature, la loi, l'ordre, la règle, l'usage, l'histoire sont en fait intimement mêlés et que ce que le paysage nous offre, ce que la nature nous donne, c'est une leçon sociale. C'est une leçon de construction sociale d'une utilisation de l'espace. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une première leçon, c'est que le réel existe. C'est-à-dire les daims ne sont pas une fiction juridique, ils sont véritablement en train de vagabonder en Ardèche et la pipite farlouze est réellement en train de disparaître. Autrement dit, quand bien même j'aimerais en tant que progressiste, en tant que gauchiste, en tant que républicain, faire en sorte que la nature n'existe que conforme à mes propres désirs, la nature s'impose invinciblement à moi. Le fait que le réel existe est une donnée et on doit partir du fait que le réel existe, on doit partir du fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, plutôt que de partir de l'idée saugrenue qu'on n'est pas certain que le réel existe. Donc le réel est une affirmation. Il y a quelque chose plutôt que rien, on ne peut pas contester le monde extérieur, on ne peut pas contester son propre corps, on ne peut pas contester sa propre raison.
Et évidemment, la deuxième leçon qui en découle, c'est que la gauche n'aime pas la nature parce que la nature est matière et la matière est contrainte. Autrement dit, la gauche ne peut pas aimer la nature, même si les écologistes sont de gauche, pour certains d'entre eux, parce que la nature s'impose à eux sans qu'elle puisse se transformer en leur propre projet. L'écologie gauchiste est d'ailleurs assez rigoureuse. La nature n'existe pas en soi, c'est un processus historique qui n'est absolument pas orienté, qui est juste le fruit d'interactions successives. Il y avait un texte très intéressant, La France insoumise, où on nous dit qu'il y a un parti pris philosophique matérialiste de la gauche, comme quoi la nature et l'humanité sont des réalités changeantes, mouvantes, en proie à l'histoire, que même l'air que nous respirons, et notamment son oxygène, sont des hasards, et même une pollution, et donc que la seule réalité qui existe, ce sont les interactions que j'ai avec ce milieu, et que donc la seule chose que je dois faire avec la nature, c'est m'assurer qu'elle peut m'aider à optimiser le progrès social et le bien commun que je définis moi en tant qu'acteur social et que je ne définis pas en tant que partie prenante d'un écosystème. Puisque cet écosystème, une fois plus, n'est défini que par les interactions que j'ai avec lui. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du sénateur Jean-Pierre Michel qui avait défini la vérité et la justice comme un rapport de force au moment, en 2013, au moment des manifestations pour tous. Je vais essayer de retrouver sa citation. Voilà. Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. La loi ne se réfère pas à un ordre naturel, elle se réfère à un rapport de force à un moment donné, point final. C'est le point de vue marxiste de la loi. Et donc, c'est exactement comme ça que le gauchiste moyen conçoit la nature. Comme étant, là aussi, un rapport de force plus ou moins tendu entre l'humanité et un ensemble de biens disponibles dont il doit jouir intelligemment, dont il doit utiliser intelligemment pour promouvoir un bien commun. Donc, évidemment, ça justifie qu'on puisse être à la fois écologiste pour la PMA, l'utérus masculin, contre le nucléaire et pour les semences anciennes. De toute façon, à chaque fois, il y a juste un rapport de force qui s'établit. On choisit dans ces rapports de force, non pas ce qui est cohérent avec la nature, mais ce qui est cohérent avec la société qu'on a envie de faire advenir, avec l'homme nouveau qu'on a envie de créer. Pour ce qui est de l'oxygène comme pollution, c'est assez amusant, puisque c'est en train de devenir l'un des arguments du nouveau matérialisme, qui est de nous dire voilà, que l'oxygène est apparu entre moins 2,5 milliards d'années et moins 2,3 milliards d'années, et donc cette pollution bactérienne a permis le déclenchement de la vie, et cette vie donc, se développe depuis moins 2,3... Enfin, la vie oxygénée se développe depuis moins 2,3 milliards d'années, mais donc c'est juste une pollution bactérienne qui est à l'origine de l'oxygène, et c'est cet oxygène qui permet aux tétrapodes d'apparaître, etc. Donc on est en train de justifier, une fois de plus, par le hasard, le fait que la vie ait pu apparaître. Quand je parle de là, donc il faut que vous reteniez ce mot hasard et cette vie, puisque donc nous considérons à droite que la vie n'apparaît pas par hasard et de toute façon que la succession des accidents historiques n'est précisément pas une succession hasardeuse, mais que c'est une succession orientée vers une vie précise, une vie qui est plus informée aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Et donc toute la question et toute la leçon de la nature, et toute la véritable leçon de la nature de droite ou de gauche, et donc de droite, c'est le fait qu'il y a une information dans la nature qui préexiste à la nature, en tout cas qui est distincte de la matière naturelle qui est informée. Je reviens très brièvement sur le projet fascinant des gauchistes par rapport à la nature. Il y a une jeune végane espagnole qui a une chaîne YouTube et qui a décidé il y a peu de temps de transformer son fennec en animal citoyen et responsable. Et donc elle a décidé de ne plus le nourrir qu'avec de la salade et des carottes. Évidemment, le fennec a manqué crever, il a perdu ses poils et donc le fennec apparaissait de plus en plus souffreteux, malade et pelé à côté de la bimbo, car évidemment elle a 14 ans et des lèvres qui ressemble à deux bananes, qui elle-même se contentait d'accuser les allergies que le fennec avait brusquement développées vis-à-vis de la carotte et de la salade. On a fini par lui expliquer qu'en fait il y avait vraisemblablement un manque d'alimentation carnée et qu'il serait bon que son fennec soit moins citoyen et plus vivant. Mais on voit qu'il y a une idée, malgré tout, que le gauchiste n'est pas contraint par la nature, et c'est la nature qui est censée se plier à sa règle. Donc le fait que la nature est droite, c'est juste que la nature résiste, c'est-à-dire le fennec a manqué crever. Donc si le fennec avait été courageux, si le fennec avait été un bon militant de droite, il serait allé jusqu'à mourir pour bien expliquer à sa maîtresse comment ça marchait. Mais en même temps, on voit bien que le végan, dans le rapport qu'il a à l'alimentation, dans le rapport qu'il a à notre nature omnivore, là aussi projette un schéma qui est un schéma d'aller contre la nature. Une tribune est parue récemment dans Libération, que je vous conseille, qui est assez drôle, où il s'agit d'assassiner les végans par tous les moyens possibles et imaginables,
Donc la revue Limite va publier un contre-article, si j'ose dire, qui critique la manière dont Libération, par la voix de M. Ariès, politologue spécialiste de l'histoire de l'alimentation, assassine les végans. Et donc la revue Limite va, elle, publier un texte de gauchiste sympathique qui expliquera exactement ce qu'il faut véritablement penser du végan, de l'animal, etc. Blague dans le coin, nos amis de Limite ont publié déjà deux articles que vous trouvez en ligne sur « Ne mangez pas de la viande, mangez des animaux », qui est très intéressant sur la réflexion de la cause animale et sur justement ce rapport à l'alimentation. Mais l'un des extraits que j'aimerais citer de la tribune, c'est la manière dont, à force de vouloir être pur, donc à force d'être quasiment comme des gnostiques, comme des cathares, à force de ne pas vouloir être corrompu par la matière, à force de vouloir écouter le cri de la carotte et respecter la chair du lapin, le cri de la carotte est une tribune aussi qui est parue sur Slate, où quelqu'un nous parle de la souffrance des plantes. Je n'invente rien, donc voilà. Voilà, ce n'est pas parce que les plantes ne crient pas qu'elles ne souffrent pas, et donc il y a de vastes développements sur les signaux électriques qui animent les carottes, entre autres. Et la manière dont les acacias se défendent contre les coups. Enfin bon, bref, cela dit, c'est fascinant. Donc le grand danger de ce début du XXIe siècle est bien l'invention d'une agriculture sans élevage. Donc sous prétexte de cause animale, qu'est-ce qu'on nous fourgue? On ne compte plus les investissements et brevets déposés pour produire de la viande, entre guillemets, en cultivant en laboratoire des cellules musculaires de poulet, de bœuf ou de porc. Produire du lait et des œufs à partir de levures OGM, les promoteurs de cette agriculture cellulaire se recrutent au sein des grandes firmes. Les premières viandes artificielles pourraient être introduites sur le marché sous forme de carpaccio avant que soient commercialisées avant 10 ans de vrais faux morceaux produits in vitro. Des amas de protéines qui auront poussé à granger d'hormones pour favoriser la croissance et d'antibiotiques pour éviter les contaminations. Donc voilà le futur de la viande telle que les végans nous la promettent, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir l'alimentation la plus artificielle possible au prétexte de respecter le lapin. On va revenir maintenant ce long détour par l'alimentation qui nous paraît malgré tout d'avoir justement ce rapport direct avec la nature qui est celui que nous avons chaque fois que nous mangeons, que nous buvons. Revenons à la nature et revenons à l'idée du fait que l'univers est orienté. Donc une fois plus, la vraie leçon, c'est pas tellement le fait que nous ne sommes pas tous égaux et qu'il y ait des inégalités naturelles et que ces inégalités naturelles font un ordre social. C'est certainement une idée intéressante. Je ne la sens ni particulièrement de droite ni particulièrement de gauche. Parce que de toute façon, même la droite a des tendances égalitaires, même nous avons des tendances égalitaires, on appelle ça la charité, la justice et l'équité, mais à l'arrivée, il s'agit de rétablir la balance. Et quand bien même nous n'aimerions pas le faire sur Terre, pour ceux d'entre nous qui croient à un au-delà, là aussi, il y a l'idée que chacun aura sa récompense, et donc il y aura d'une manière, une égalité dans le jugement de Dieu. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout que l'univers a une histoire. Quand je dis que l'univers a une histoire, c'est la matière n'est pas éternelle, on le sait désormais. L'univers apparaît il y a 4,5 milliards d'années, grosso modo, pour autant que le chiffre ait un sens, et il apparaît sous une forme assez simple, car l'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple qui soit. C'est le premier sur la table périodique des éléments, et historiquement, c'est aussi le premier. C'est-à-dire, cette table périodique des éléments n'est pas une table périodique d'éléments qui ont existé toute éternité. C'est aussi un tableau historique. L'atome d'hydrogène est le premier atome à être apparu. L'azote, qui est aussi sur la première ligne du tableau, si je ne m'abuse, mais à l'autre bout, est apparu plus tard. Et donc, tous les éléments qui sont de plus en plus complexes sont en fait des éléments qui sont plus complexes dans leur composition, mais surtout plus tardifs dans leur apparition. Donc, autant dire, l'histoire n'apparaît pas de toute... L'univers n'existe pas de toute éternité. Et deuxième point, l'univers n'est pas identique de toute éternité. C'est-à-dire, l'azote n'existait pas au moment où l'univers a commencé à exister. L'oxygène n'existait pas au moment où l'univers a commencé à exister. Donc il y a une histoire orientée de l'univers. Pourquoi est-ce qu'une histoire orientée? Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit bien que peu à peu la complexité de la matière organisée est une complexité qu'on constate et qu'on constate de plus en plus. Il y a 2,5 milliards d'années, l'oxygène envahit la planète grâce à la révolution des bactéries. Les bactéries elles-mêmes qui n'existaient pas au tout début, et puis il y a les mégalovirus, les rétrovirus, il y a tout ce que vous voulez en matière de virus, et puis peu à peu apparaît le sélacanthe, et voilà. Et aujourd'hui, nous sommes autour de la table, chef-d'œuvre de l'évolution. Et donc, la manière dont nous sommes constitués, nous, est une organisation de la matière qui est 10 fois plus complexe que la matière qui existait il y a 350 ou 500 millions d'années, et encore plus complexe qu'il y a 2 milliards d'années. Mais il ne faut pas confondre la manière dont la matière est organisée et le principe organisateur. Il ne faut pas confondre le fait qu'il y a plus d'informations dans le monde aujourd'hui et la matière informée. On dit ce n'est pas parce que
la matière porte une information que le principe informateur est lui-même matériel. Autrement dit, d'où vient cette information supplémentaire qui s'ajoute en permanence dans l'univers ? Alors, c'est une question métaphysique. Donc la réponse est assez simple, c'est Dieu. Et donc quand je dis que la réponse est assez simple, c'est Dieu, c'est-à-dire la question métaphysique de l'information est une question qui en fait est éminemment politique et qu'on est obligé de se poser, puisque une fois qu'on constate que l'histoire du monde est orientée, donc que la nature est orientée, donc que la nature est un projet en devenir, à ce moment-là, on est obligé de se poser la question des principes qui informent la matière, et du fait qu'il y a visiblement un projet qui est en train de se réaliser avec une matière de plus en plus complexe qui fait émerger des produits de plus en plus complexes et de plus en plus parfaits. Je parle surtout de vous, monsieur Crémier, une manière de perfection que nous saluons tous. Un bon pour monsieur Crémier, nous supprimerons ça de l'enregistrement. Je vais vous citer maintenant deux articles qui me paraissent intéressants, parce qu'une fois qu'on a établi qu'il y a de plus en plus d'informations et une matière de plus en plus complexe, malgré tout, est-ce que nous sommes entièrement déterminés par ce principe informateur distinct de la matière informée, ou est-ce qu'au contraire, nous avons du jeu ? Et c'est là aussi, c'est la dernière leçon de droite, si j'ose dire, qu'on peut tirer de la contemplation de la nature. C'est qu'il y a à la fois de plus en plus de matière, et de plus en plus d'informations, une information dont on ne sait pas d'où elle vient, mais dont on constate l'existence, et dont on constate la complexité croissante, sans être capable de retracer la génération spontanée de cette information. C'est-à-dire ceux qui expliquent l'apparition de la vie parce qu'il y avait une soupe primordiale, et donc ils disent qu'il y a une soupe primordiale, genre en gros, il y a tout plein de choses dedans, c'est obscur comme du goudron, mais ça bouillonne dedans et vous allez voir, ça va sortir. C'est une chimère, c'est une mythologie scientifique, et ils sont incapables de prouver comment est-ce que la vie a pu apparaître d'éléments qui, eux, étaient inanimés. Donc, la simple composition par le hasard ne suffit pas à expliquer la naissance de la vie. Le fait de dire que c'est une soupe primordiale, ça signifie juste, je jette un voile scientifique sur le truc, je fais abracadabra, je le lève, et ça y est, il y a un lapin qui est apparu dans le chapeau, et j'explique que, de toute façon, voilà, ça ne peut être que comme ça, puisque je refuse le principe qu'il y a une information qui soit distincte de la matière. Voilà. Donc, c'est juste parce que je pose un principe philosophique que cette information ne peut pas être distincte de la matière, que du coup je suis obligé de considérer que c'est la matière elle-même qui génère la vie. Quand bien même j'ai été obligé d'abandonner la fiction d'une matière éternelle. Parce que comment se fait-il que l'information apparaisse progressivement alors que la matière elle-même, à un moment donné, est moindre que l'information qu'elle porte à l'instant d'après ? Je suis incapable de le prouver, je suis incapable de l'expliquer. Il y a une aporie pour les scientifiques matérialistes d'expliquer d'où vient l'information. Donc du coup, on a droit à Monod, le hasard et les nécessités, on a droit à Stephen Hawking, on a droit à tout ce que les scientifiques sont capables de produire comme discours philosophique, qui à chaque fois revient en fait à soit rééterniser la matière, ce qui physiquement est contredit les données scientifiques, soit à évacuer le problème en expliquant qu'il y a une soupe quelconque à un moment quelconque. Je reviens sur mes deux exemples. Le premier va parler de la manière dont certains gènes apparaissent. Le second va parler de la manière dont il y a une information prénatale et donc intra-utérine dans l'enfant. Ce qui est intéressant dans la première, c'est qu'on montre que, de même qu'il y a une généalogie des atomes, il y a une généalogie des gènes. Dans la deuxième, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que l'enfant est capable d'apprentissage. C'est-à-dire, à l'intérieur, même dans le milieu qui peut paraître le plus contraint et plus passif, en fait, l'enfant, le fœtus, est capable d'un apprentissage. Autrement dit, il a déjà une volonté, il a déjà une capacité d'interagir avec le milieu, il a une capacité à faire des choix ou à être privé de ses choix par la composition du milieu, qui font que on est à la fois soumis à la nécessité d'une information grandissante, mais en même temps à l'intérieur d'un libre arbitre. Pour l'histoire du gène, donc, il a précédemment été établi que ARC, c'est le nom du gène, dérive d'un gène de type GAG, vous me pardonnerez, c'est ce que je lis, qui ressemble à celui codé par les rétrovirus et que l'on trouve aussi dans un groupe d'éléments génétiques mobiles endogènes appelés les rétrotransposons. Donc j'arrête là le GAG, mais ce qui est intéressant, c'est que les analyses sur la généalogie des gènes, donc ce qu'on appelle la phylogénétique, ont permis d'établir que le gène ARC que nous étudions chez les rongeurs est né il y a environ 350 millions d'années chez l'ancêtre commun des vertébrés terrestres, les tétrapodes, dont nous descendons. Ainsi, nous avons pu identifier un homologue direct de ARC chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, mais pas chez les poissons. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire une généalogie des gènes en prouvant qu'à un moment donné, il y a un gène plus complexe qui apparaît. Un gène plus complexe qui, en plus, a une fonction précise, en l'occurrence, de transposition d'une information à un moment donné à un autre,
un autre, d'un neurone à un autre neurone. Alors, le texte termine. La rencontre fortuite entre un virus et nos lointains ancêtres il y a 350 millions d'années a peut-être ouvert la voie à des processus cognitifs. Donc, ce qui est amusant, c'est que plutôt que d'expliquer qu'on ne sait pas comment est-ce que l'information a été produite, on suppose qu'il y avait un virus qui avait je ne sais quelle qualité et qui a rencontré un de nos ancêtres il y a 350 millions ans. Et par le hasard de cette combinaison, il y a quelque chose de plus intelligent qui en sort. Mais donc, c'est une supposition qui n'est absolument pas scientifique. C'est juste qu'on refuse d'expliquer que l'information a été intelligemment mise à un moment donné. Repartons maintenant sur le deuxième exemple, qui est celui donc, de tout ce qui est embryogenèse et synaptogenèse. L'embryogenèse, c'est la manière dont l'embryon va se développer. La synaptogenèse, c'est la manière dont les synapses, donc autrement dit les liaisons entre neurones, vont se développer. En 1966, une équipe belge s'est intéressée au problème de la localisation auditive chez le bébé, et on a eu une première démonstration que les bébés orientaient la tête dès la naissance. L'équipe belge a placé des bébés devant un écran semi-circulaire vide, derrière lequel il y avait des haut-parleurs, soit devant le bébé, soit à droite, soit à gauche, qui diffusaient une voix de synthèse qui disait « bébé, bébé ». Le truc, les écrans totalement flippants, c'est assez génial. Lorsque le son est à droite ou à gauche, la réponse est extrêmement complexe. Une orientation de l'œil en direction de la source sonore, une rotation de la tête, mais aussi une déformation de la bouche en direction de la source. Donc le bébé interagit. Il interagit d'une manière complexe puisqu'il mobilise au moins trois structures visibles de son appareil supérieur. Cet ensemble de réactions est construit sur une structure du système visuel qui s'appelle etc. C'est une structure de couches sensorielles, une couche visuelle, une couche auditive, une couche tactile. Cela vous permet d'adresser un point dans l'espace par différents systèmes sensoriels et moteurs. Bon, bref. Ils se sont rendus compte que certains enfants ont l'intégralité des trois actions et que d'autres n'en ont qu'une d'eux. Donc, on n'avait pas encore fait le séquençage du génome pour répondre à ce genre de questions. Et en fait, c'est lié au mode d'alimentation. Quand le bébé est allaité, la mère alterne le sein gauche et le sein droit. Quand le bébé est au biberon, la majorité des mères étant droitières, elles prennent le bébé avec le bras gauche et le biberon avec la main droite. Ils ont montré que quand la mesure est faite dans les 6 heures qui suivent la naissance, 100% des bébés ont la réponse à gauche et à droite. Il suffit de 3 repas pour que ça se construise. Donc, et tout l'article, qui est absolument passionnant, se construit sur qu'est-ce qui se passe in utero, qu'est-ce qui se passe ex utero, qu'est-ce qui se passe prénatal, qu'est-ce qui se passe postnatal. Et on voit en fait que si l'enfant a tel ou tel stimulus, il est capable de développer telle ou telle capacité cognitive, et s'il est privé de ces stimulus, il en est incapable. Mais il en est capable, c'est parce que c'est lui-même, en gros, qui est capable de construire ses apprentissages. Autrement dit, c'est parce que l'enfant est déjà intelligent in utero, et très rapidement, qu'il est capable de prendre en compte ce que son environnement lui offre. Autrement dit, ce n'est pas l'environnement qui détermine l'enfant, c'est les capacités cognitives de l'enfant, y compris in utero, qui sont capables de lui donner cette liberté d'appréhension du réel. Si le réel est riche, l'enfant sera plus développé que celui qui, même in utero, a été privé d'un environnement riche en stimulation sensorielle. Donc, ce long détour scientifique, en tout cas que je me plais à croire scientifique, était là pour nous dire que l'univers est un projet, que l'homme est un projet, qu'il n'est pas fini, qu'il est incomplet, mais qu'il est ordonné et qu'il a un but. Donc voilà, on voit qu'il a un but quand on voit la manière dont il est à la fois le résultat d'une évolution et le résultat d'une action volontaire de sa part. On voit qu'il est un but parce qu'il est capable de volonté, mais en même temps il dépend d'un environnement. Et on voit surtout, toujours, que l'information est distincte de la matière informée, que l'intelligence organisatrice est distincte de l'organisation, de la matière organisée. Donc, ce que la nature transmet, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que cette succession d'évolution dans la matière, des atomes les plus simples et les plus primitifs aux atomes les plus complexes, cette succession dans le vivant, des organismes au code génétique le plus simple à ceux au code génétique le plus développé, cette organisation de l'intelligence, etc., fait que la règle que se donne la nature, c'est la règle de la transmission, et que la nature est organisée pour transmettre. Elle est organisée pour se perpétuer, elle est organisée pour perpétuer cette transmission, et cette transmission orientée vers une capacité d'être augmentée. Donc voilà, ce qui fonde la nature, et la vraie leçon de la nature, et ce qui est véritablement la preuve, en tout cas la réflexion philosophique qu'on peut avoir sur le caractère de droite de la nature, c'est cette transmission orientée vers une capacité à être augmentée. Donc, et la droite a compris la leçon de la nature, donc qui n'est pas l'égalité, mais en fait le véritable développement durable. La droite a compris la nécessité de la transmission. La droite a compris le fait que cette transmission
n'est pas censée être une stagnation, qu'elle est censée justement être orientée vers une augmentation. C'est la thématique du stock et du flux, ou comme le dirait Maurras, le fait que la véritable tradition est critique. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas parce que en 1400 et quelques, il y avait un mode de sacre du roi que lorsque nous remettrons Jean sur le trône d'ici 2022, aux dernières nouvelles, nous aurons exactement le cérémonial du sacre du 15e siècle pour le mettre sur le trône. La véritable tradition critique, nous adapterons et nous aurons effectivement transmis la nécessité d'un gouvernement du bien commun qui passe par un arbitre, mais nous aurons adapté un certain nombre de choses. Le bien commun tel que nous le vivons aujourd'hui à l'heure d'une énergie atomique n'est évidemment pas le bien commun que nous vivons à l'ère de l'énergie uniquement produite par la vapeur. Le fait qu'aujourd'hui EDF permette enfin l'autoproduction et l'autoconsommation de l'électricité nous oblige, nous, à re-raisonner la manière dont nous voulons ou pas qu'il y ait des grands monopoles d'État énergétiques. C'est-à-dire à l'époque où on était persuadé que techniquement produire de l'électricité dont nous avons tous besoin était forcément extrêmement capitalistique, c'est-à-dire que chacun n'a pas les moyens de se construire sa propre centrale d'énergie, il était légitime de penser que l'État pouvait avoir un rôle sur la distribution énergétique. À partir du moment où les moyens technologiques font qu'il est de plus en plus simple de produire une énergie de plus en plus à bas coût et de la consommer de plus en plus facilement directement, est-ce que véritablement on a besoin de passer par un monopole d'État ? C'est plus intéressant de réfléchir sur l'énergie que de réfléchir sur la poste, mais voilà, donc à un moment donné la poste était un monopole d'État, maintenant que tout le monde s'envoie des courriers. Évidemment, il n'y a plus aucune nécessité que la poste reste un monopole d'État. Okay. Du coup, la poste se met à lancer des services de « je garde vos clés, je promène votre chien, je vais dire bonjour à votre grand-mère ». Donc, du coup, on voit bien que la nécessité du monopole du transport du courrier a disparu, que là, pour le moment, ce qui n'est plus une transmission, mais une véritable stagnation, c'est qu'il s'agit d'occuper la masse salariale des postiers à faire à l'intérieur d'un prétendu service de proximité. On voit que la droite, elle, donc, dans ce développement durable, veut garantir l'existence sur le long terme parce qu'il y a quelque chose qui est censé advenir. Et c'est ce quelque chose qui est censé advenir, auquel nous contribuons tous sans même véritablement savoir ce que c'est, qui est plus intéressant que le projet de la gauche, qui est de supprimer toute possibilité de futur qui serait à discerner pour imposer l'idée d'un futur entièrement né du cerveau des hommes présents qui veulent accoucher un homme nouveau, quitte surtout à supprimer l'homme ancien. Donc d'un côté la droite transmet parce qu'il y a quelque chose au bout du chemin, de l'autre la gauche veut araser le passé et supprimer le futur pour bâtir aujourd'hui quelque chose qui est un présent perpétuel. Parce qu'au bout du compte, lorsque je veux faire advenir l'homme nouveau, c'est l'homme nouveau tel que je le définis aujourd'hui qui est censé advenir et pas un homme nouveau pendant 50 ans. C'est-à-dire, rien de tel qu'une société communiste et rien de tel que l'avènement d'une société révolutionnaire pour faire en sorte de figer absolument tout le développement. Puisque une fois que j'ai décidé que la perfection c'était ce que j'ai imaginé en 1789, en 1913, en 1945, en 1984, il n'y a aucune raison que ce qui se passe en 1987 nous fasse changer d'avis. J'ai ma définition du bonheur qui a été figée en 1984. Donc c'est ce bonheur-là que je vais faire advenir. Et donc c'est ce bonheur-là qui m'oblige à faire en sorte d'annihiler tout le mouvement spontané de la nature pour continuer à croître, continuer à transmettre et surtout continuer à être modifié. Donc la droite admet la modification là où la gauche la récuse. Je parlais tout à l'heure de degré de liberté. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on voit bien qu'on est interdépendant. Donc, toute la parabole de Maurras sur le petit poussin est là pour nous rappeler aussi qu'il y a une leçon naturelle dans le fait que personne ne naît orphelin, tout armé, tout casqué. Personne ne sort avec son diplôme de management des organisations de la côte de Saint-Louis. Donc, il y a un écosystème. Et cet écosystème est à la fois une dépendance établie, subie, choisie et favorisée. C'est une fatalité et une chance. Là aussi, écoutons la nature. Ce qui est intéressant, c'est par exemple de regarder les arbres. Donc, plus un arbre vit, plus il attrape des maladies. Plus il attrape des maladies, ou il attrape des parasites, ou il subit ce qu'on appelle des épisodes climatiques. Autrement dit, il crame en été, il gêne en hiver. À chaque étape, soit l'arbre dégénère, ou meurt quand il est jeune, soit au contraire, il passe le cap, et il garde la mémoire de ce qui lui a permis de passer le cap. Autrement dit, l'arbre est de plus en plus résistant, et surtout, il a intégré une nouvelle information, qui est l'information de son environnement, il l'intègre, et il est capable de la transmettre. C'est-à-dire, il y a une évolution, en fait, et là, pour le coup, on sait comment ça marche,
Donc, l'arbre est capable d'avoir plus d'informations au cours de sa vie, un peu comme nous tous, on apprend des trucs, l'arbre aussi il apprend, et il est capable de le retransmettre. Il garde une capacité à se soigner, à guérir, et surtout à se prémunir contre la maladie et le parasite auquel il a déjà échappé. Plus les arbres sont vieux, plus ils ont vécu d'épisodes climatiques, d'attaques de parasites et de maladies, plus ils sont susceptibles, à travers leur patrimoine génétique, de donner accès à ces remèdes à d'autres plantes qui sont autour d'eux. En fait, ils ont une capacité acquise d'immunité, et ils peuvent la transmettre à leur descendance, ils peuvent la transmettre aux jeunes arbres. Donc on voit que les arbres qui poussent à proximité d'un vieil arbre, qui sont vraisemblablement les rochons du vieil arbre, ont une capacité de résistance supérieure aux attaques de maladies, de parasites et aux épisodes climatiques classiques dans cette région-là par rapport à un arbre de la même espèce ailleurs qui n'est pas soumis, qui a le même âge, mais qui n'est pas soumis au même environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent transmettre cette information non seulement aux arbres sur la descendance, mais aux arbres qui sont aux alentours par un réseau qu'on appelle le réseau mycorhizien, donc qui sont des champignons filamenteux qui traversent dans le sol. Ils peuvent même la transmettre à d'autres espèces. C'est-à-dire, quand on fait de l'agroforesterie, et donc qu'on a une culture céréalière le long d'une haie bocagère, donc les arbres qui constituent cette haie bocagère font que les céréales qui sont dans le champ sont plus résistantes aux maladies, aux parasites et aux épisodes climatiques que des plantes qui ne sont pas à proximité des vieux tuteurs, des vieux sages, des monsieur de Crémy, je suis désolé, je vous ai pris comme tête de turc ce soir. Voilà, les sages qui nous transmettent leur résistance à la République, à la démocratie, voilà, au totalitarisme, à Macron et aux autres. Et à Don Scott et à Guillaume d'Occam, car soyons francs, tout par deux. Et voilà, ça, cette manière de promouvoir la volonté et l'amour plutôt que de promouvoir la vérité, c'est quand même des idées de franciscains, et on voit ce que les franciscains nous donnent aujourd'hui. Donc ce qui est merveilleux, c'est qu'ils peuvent transmettre cette information. Donc ils sont en relation avec les plantes, et donc on a pu prouver que les glucides complexes des vieux arbres se retrouvent en fait dans les cultures qui poussent à proximité, quand bien même elles ne sont pas de la même espèce. Voilà, donc il y a une preuve ultime, si je veux dire, que la nature est droite, c'est dans cette transmission, une transmission au nom d'un bien commun, une transmission locale, une transmission enracinée, une transmission environnementale, une transmission entre pairs, mais une transmission entre gens qui partagent une communauté d'intérêts, qui est le fait de continuer à croître, et qui partagent aussi le fait d'être enraciné, si je veux dire, dans une petite patrie. Donc cette métaphore de l'arbre est aussi une leçon que la nature nous donne. Et là aussi, qui n'est pas la leçon des inégalités protectrices, elle est plutôt la leçon de la transmission de l'information, une information qui, à un niveau universel, est mystérieusement de plus en plus augmenté, à un niveau individuel, à un niveau personnel, et le fait que nous sommes capables, effectivement, de retransmettre, d'un point de vue purement naturel, ce que nous avons acquis, une fois plus, la manière dont la mère porte son petit chez les humains comme chez les animaux va influer sur le développement du petit, la manière dont l'enfant qui vient de naître, la manière dont il est allaité va aider à son repérage dans l'espace, donc suivant que je l'allaiterai au biberon, enfin quand je dis vous m'avez compris, suivant qu'il sera allaité au biberon ou au sein, donc avec une alternance ou au contraire quelque chose de fixe, il n'aura pas les mêmes capacités de repérage dans l'espace, donc il y a une transmission volontaire ou involontaire permanente, et donc c'est la véritable leçon de la nature, et cette transmission contredit absolument l'idée de la gauche qui est une rénovation perpétuelle, un anéantissement perpétuel du passé au profit d'une construction immédiate d'un avenir tout fait et qui lui-même du coup est refermé sur le présent qu'il a fait naître. Ben c'est fini. Donc, si vous avez des questions, notamment sur les rétrotransposons, je suis un peu ferré à glace là-dessus. Est-ce qu'on a des nouvelles du coup? Est-ce qu'on a des nouvelles? Mais oui, les pauvres dindes, nos amis les dindes. Mais non, parce qu'ils sont censés mourir d'ici le 31 mai. Le terme de leur vie est le 31 mai. Oh là là! Et les lieutenants de Louveterie, donc les traques. Donc, un peu plus, on parle de 4 dindes qui sont censés ravager tout le pays. Oui. Il y a quand même 2 lieutenants de Louveterie qui sont en train de leur courir après depuis un certain temps. Donc, alors que s'ils étaient véritablement en train d'embouteiller les routes et de saccager les jardins de retraités, ça se saurait. Les sangliers sont autrement ravageurs. Hein, ah ben, les jardins. Mais tout à fait. Voilà. Mais voilà, peut-être que. Mais, excusez-moi, je ne sais pas si je dis une bêtise, je ne suis pas scientifique sur la nature. Est-ce qu'il n'y a pas des héritages négatifs qui se transmettent de temps en temps? J'aimerais vous prouver par exemple que, ici en Provence en particulier, il y a souvent des parcelles de vignes
qui sont encadrés de une chaîne verte. Et c'est absolument incompatible. On voit très bien qu'en bordure de la haie de chêne vert, les rangs de vignes sont minables. Il n'y a pas eu apparemment d'adaptation positive en la matière. Ça reste une incompatibilité. Oui, il y a des symbioses, symbioses qui ne se font pas. Si. Oui, il n'y a pas de transmission de ces incompatibilités. Si, et là aussi, et d'un point de vue... Pour des raisons qui m'échappent scientifiquement. Il y a un atavisme, je ne vais pas dire qu'il y a une hérédité des caractères acquis, mais même si on voit bien avec l'exemple de l'arbre qu'on a l'impression que Lamarck a raison contre Darwin, et qu'il y a d'une certaine manière, sinon une hérédité des caractères acquis, en tout cas une transmission des caractères acquis, ce qui est quand même intéressant. Et donc, tout est transmissible, y compris le fait d'avoir été, à un moment donné, déficient par rapport à telle attaque, d'avoir été déficient par rapport à telle maladie, tel parasite ou tel épisode climatique. Ceux qui s'intéressent à ça montrent aussi que, par exemple, lorsque une plante est traumatisée, un animal, un humain, ce traumatisme influe sur sa conduite à venir. Lorsque certains arbres ont l'écorce broutée par des animaux sauvages, par exemple des daims artéchois, qui sont une espèce particulièrement redoutable de cervidés, notamment lorsque des pins ont leur écorce broutée, ils surproduisent des pommes de pin l'année suivante. C'est-à-dire, en fait, comme ils sont passés à côté de la mort, comme ils ont interprété l'interaction avec l'environnement comme étant une attaque violente, ils l'interprètent comme étant une possibilité de disparition, et donc une surproduction de pommes de pin, pour faire en sorte qu'il y ait une prolongation à travers justement la transmission. Mais évidemment, c'est une surproduction qui est déréglée. Quand je le raconte, on voit bien que j'y mets il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans la manière dont je le raconte, mais on constate qu'un épisode traumatique produit clairement une surréaction en matière de préservation de la vie. Si l'épisode a été véritablement traumatique, c'est du coup la psyché de l'arbre, pas tellement, mais la psyché de l'animal et encore plus sûrement la psyché de l'humain qui, elle, est sérieusement navrée et qui risque, on a un peu de mal dans nos milieux à être persuadé de la chose, le fait qu'il y ait des psychoses générationnelles donc qui se transmettent de génération en génération est quelque chose d'admis. Je veux dire, d'admis. On admet qu'il y a des psychoses générationnelles. Oui, c'est une transmission intergénérationnelle de ce qui peut être des psychoses et des traumatismes aussi. Voilà, c'est à l'étude depuis quelques temps déjà. Voilà, et on voit bien qu'on peut transmettre le bien comme on peut transmettre le moins bien. La transmission se fait dans une perspective toujours d'adaptation. Et le but ultime, c'est le maintien de la vie. Un des exemples les plus couramment cités, ce sont ces fameuses mouches d'Amérique du Sud qui ont dû s'adapter à des vents violents et qui ont réduit la taille des ailes, de leurs ailes. Elles ont perdu pratiquement leurs ailes, elles n'ont que des ailes vestigiales. Bon, mais au-delà de ce problème un peu, génétique, l'ensemble, disons, de ce rapport entre la gauche et la droite à la nature, il y a une phrase qui, malheureusement, n'est pas de moi, mais je ne sais pas de qui elle est, donc je ne peux pas citer son auteur, qui distinguait la droite de la gauche dans ses rapports avec la nature par le sentiment. La droite a une démarche d'assentiment et la gauche a une démarche de ressentiment. Et c'est ce qui diffère en quelque sorte toute la problématique de la droite et de la gauche. La droite accepte le monde en quelque sorte, c'est cet assentiment, elle essaye de l'améliorer, on connaît la prière du sage, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage de supporter ce que je ne peux pas changer, et suprême don de faire la distinction entre les deux, quoi. Donc, cette démarche d'assentiment, personnellement, je trouve qu'elle s'adapte tout à fait à une vision de droite de la nature. Mais c'est parce qu'en fait, pour la droite, le réel existe. Donc, de toute façon, le réel est indiscutable. Le réel, voilà. Pour la gauche,
Jean-Louis Harwell en parle très bien dans son bouquin Gauche-Droite. En fait, la gauche soupçonne le réel, au pire de ne pas exister, et au mieux d'être une contrainte absolument insupportable. Parce que le réel, c'est la matière, et la matière, ça pue, c'est sale. Voilà, la matière, c'est les autres. Et donc, les purs, les gauchistes, sont dans un rapport, effectivement, de rejet du réel, de ressentiment du réel, et donc dans un rapport de perpétuelle reconstruction du réel, et donc d'un réel totalement artificiel, mais qui leur paraît, lui, être pur, parce que entièrement né de leur cerveau, et non pas venant du dieu mauvais qu'est la matière. Et Harwell trace ça depuis les premiers gnostiques chrétiens jusqu'à aujourd'hui, en montrant bien que ceux qui étaient gnostiques au IVe siècle, et qui déjà expliquaient qu'il y avait un dieu mauvais et un dieu bon, que le dieu mauvais c'était la matière et le dieu bon c'était le pur esprit, sont les mêmes qui étaient cathares 800 ans plus tard, sont les mêmes qui au 15e siècle disaient que les purs avaient le droit de violer, assassiner, tuer tout ce qui bouge, pendant que les ploucs, eux, avaient juste le droit de servir les purs, et sont aujourd'hui ceux qui nous expliquent que la PMA et la GPA sont éthiques et généreux, et qu'au contraire il faut être des bourrins de droite égoïstes pour vouloir continuer à servir les femmes à leur fonction d'utérus, sauf évidemment que dans le cas de la GPA, où à ce moment-là, le fait que la femme soit servie à son utérus devient miraculeusement quelque chose de cool, puisque ça permet à des purs de ne pas copuler. Donc le péché des impurs sert la perfection des purs, qui, par principe, ce qui est assez génial dans le bouquin d'Arval, on voit bien qu'une fois qu'on est pur, on peut tout faire, parce que quand on est pur, on a la carte, en gros. Ouais. On fait partie de la nomenclatura, donc c'est bon, il n'y a absolument aucun problème. Donc je peux m'appeler Nicolas Hulot et à posséder 18 véhicules polluants, c'est pas grave, je fais partie je suis du bon côté de la barrière, alors que Jean-François Mattei, sur nos pétrolettes, on va nous chicaner. Jean-François Mattei disait très souvent, c'est la gauche, c'est pour cela qu'elle est totalitaire, c'est parce qu'elle refuse le réel. Oui, c'est clair. Toutes les révolutions viennent de là. La manière dont la gauche imagine un état de nature qui en fait n'est pas naturel, parce que donc la construction d'un état de nature rousseauiste, c'est on imagine un état de nature dont ils étaient incapables de prouver qu'il existait, mais qui était un pur effet de raisonnement, et dont au contraire, plus on étudie, plus on est capable de remonter, moins cet état de nature existe, et plus il apparaît que la société a extrêmement policé les mœurs, a extrêmement réformé les états naturels, et dans le sens du bien, plutôt qu'elle n'a dégradé une nature humaine initiale qui serait parfaite. Il n'y a pas de chute, en fait. En fait, la gauche croit à la chute, alors que la droite n'y croit pas. La gauche pense qu'on a chuté dans la matière, alors que la droite pense qu'on est capable de la matière d'aller vers autre chose. Et une fois plus, l'histoire de l'humanité nous prouve qu'effectivement, il n'y a pas de chute dans la matière. Il y a une matière de plus en plus complexe, de mieux en mieux informée, qui délivre des produits de plus en plus stupéfiants. Chez Claude Trémontant, et donc la preuve qu'il y a une cosmogénèse permanente, et donc là, si je remets ma casquette de catholique, c'est tout à fait intéressant. Dieu est éternel et nous sommes temporels. Donc on nous dit que Dieu nous crée et qu'il y a une succession dans la création. Mais comment se fait-il qu'un Dieu éternel me crée la création telle que je la raconte est une création linéaire et qui est logique, puisque je suis un être linéaire enfermé dans une temporalité. Mais si Dieu est éternel, il est en dehors du temps. Autrement dit, le fait que Dieu me crée, ça veut dire qu'il me crée en permanence. C'est en permanence qu'il me soutient dans l'existence. Et c'est en permanence qu'il est en train de créer le monde. Puisque donc, étant éternel, il n'est pas soumis à ce temps linéaire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on peut parfaitement comprendre et réunir l'idée d'une information qui afflue à jet continu dans la matière, puisque Dieu est effectivement en train de créer. Et d'ailleurs, Dieu est en train de mourir sur la croix en ce moment même. Il est en train de marcher au bord du lac de Galilée. Il est en train de faire je ne sais pas quoi, qui se passera en 2432, date de la fin du monde, je vous l'annonce. Prenons les paris. Et c'est exactement aussi l'intuition de René Girard sur la révélation progressive. Et donc, l'homme de droite est persuadé qu'il y a une révélation progressive, une révélation pour les catholiques qui comprennent de mieux en mieux ce qui est programmé dans la Bible, une révélation scientifique où on pénètre de mieux en mieux les secrets d'un vivant de plus en plus complexe, une révélation
permanente. Et, ben, mais évidemment, si je rejette le réel, si je veux construire autre chose, évidemment, je ne comprends rien. Et donc, la tactique de la droite qui consiste à épouser le monde est une tactique intelligente, puisque c'est un chemin de bonheur assez simple, alors que la tactique de la gauche qui consiste à vouloir bâtir un monde artificiel est évidemment quelque chose où on est toujours taraudé par la question du sens. C'est-à-dire comment puis-je prouver que ce que je construis est mieux que ce qui existe ? Voilà. Alors je peux toujours vomir le réel, il y a un moment donné où étant à moi-même ma propre mesure, c'est quand même très compliqué d'expliquer que j'ai raison, même de me l'expliquer surtout à moi-même. En ajoutant peut-être une différence entre la gauche et la gauche progressiste et la droite, c'est le péché originel. La droite, péché originel, donc elle ne peut pas être progressiste, par définition, et elle accepte les contraintes de la nature. Oui, effectivement, la partie de la droite croit au péché. La gauche est pélagienne, donc elle estime que l'homme, même s'il a pu pécher, éventuellement cette possibilité, il peut s'améliorer et devenir, avoir cette perfectibilité qui l'amènera au bonheur éternel. En acceptant l'idée de cette chute du péché originel, que le mal nous traverse et qui n'est pas extérieur, qu'on ne pourra pas imaginer des idéologies pour éradiquer le mal. Toute la base des idéologies, c'est ça, hein. Nous allons créer un monde meilleur, on va éradiquer le mal. Et puis l'homme humble, Jacques Julliard lui-même, qui se veut pas de droite, c'est le moins qu'on puisse dire, disait, tant qu'on n'en revient pas au péché originel, on n'arrivera à rien. Une question plus j'étais surpris quand vous disiez que la gauche ne croit pas au progrès et veut se soustraire au sens, à l'évolution naturelle du cours des choses, de l'existence, en braquant, en imposant le monde qu'il souhaiterait construire artificiellement. Et justement, vous êtes revenu sur le fait que, M. Fréniard, que c'est la droite qui croit au péché originel, ce à quoi j'avais adhéré aussi. Il y avait une analyse dans l'Incorrect il y a peu de temps, c'était Madame Delsol, Chantal Delsol, je crois, qui revenait sur ça. Et en fait, dès qu'on accepte qu'on est en chute, on progresse. C'est paradoxal. Alors que dès qu'on rejette le fait qu'on soit en chute, on ne progresse plus. C'est un peu comme l'humilité, quoi. Ce que les progressistes théorisent systématiquement, c'est l'arrêt du progrès. En fait, ils théorisent le présent, ils expliquent que l'endroit où on est rendu ne peut pas être dépassé. Les Européens expliquent que maintenant que l'Union Européenne a été construite, c'est irréversible. Et donc, il n'y a pas du tout l'idée, en fait, d'une évolution qui permettrait d'aller ailleurs. À chaque fois, c'est mon présent et la perfection. Et évidemment, tous ceux qui m'ont précédé et qui étaient censés être progressistes, je les rejette comme étant, en fait, d'abominables réactionnaires. Et donc c'est la fin de l'histoire en permanence. Et voilà, parce qu'il n'y a aucune raison que, évidemment, je ne peux pas admettre qu'il y ait quelque chose après moi qui soit mieux que moi. C'est contradictoire avec ma volonté prométhéenne. Mais la modernité a deux piliers, c'est le progrès et l'utopie. Qui toutes deux s'alimentent et en même temps qui se contredisent. L'utopie promet le présent éternel et le progrès un avenir radieux. Et à la fois l'utopie mène le progrès mène à l'utopie. C'est-à-dire que demain sera la perfection et en même temps l'utopie interdit le progrès puisqu'elle fige le présent. Donc à la fois ce sont deux piliers de la modernité qui montrent la contradiction et finalement le côté délétère et meurtrier de la modernité. C'est parfait. Si on écoute. Je pense que l'exemple typique de tout cela par rapport à la gauche, par rapport à... En réel, par rapport au problème que la gauche a avec le réel, c'est l'Union soviétique, justement. Parce que dans la doctrine, pour faire un peu vite fait, dans la doctrine marxiste et ensuite bolchevique, le réel doit être modifié pour pouvoir changer les rapports de force, ce qui a donné des effets très intéressants. L'Union soviétique, par exemple, la mer d'Aral. Donc il faut faire des cultures de coton en Ouzbékistan. Qu'est-ce qu'on fait ? On détruit... à travers des canaux artificiels, la mer d'Aral qui se situait entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan pour arroser des cultures gigantesques
de coton. Pas que ça, aussi en Arménie, là, le lac Sevan, donc c'est le plus grand lac alpin de la planète, c'est-à-dire il est énorme. Il y a des presqu'îles qui ont surgi en 10 ans et que ça venait de nulle part. Et ce qui m'a frappé dans les anciennes républiques soviétiques, c'est le manque de conscience écologique totale. Je veux dire, maintenant ça s'est amélioré, mais il y a encore quelques années, il y avait des montagnes. Quand je dis des montagnes, ça veut dire vraiment des collines de poubelles de partout, mais dans les villes, dans les capitales. Alors ce qu'on voyait ici à Marseille il y a quelques années, en 2010-2011, quand j'étais venu ici, qu'on voyait des monticules à droite à gauche, c'était rien par rapport à tout ça. Donc ça rejoint le discours que vous faisiez aussi, cette volonté de ce problème qu'ils ont avec la réalité des choses, de devoir la modifier pour tout ce que vous avez déjà dit. Voilà. Et une fois plus, la modifiant en considérant que la volonté, hoc volo, sit obveo, sit pro ratione voluntas, c'est-à-dire je veux, je leur donne, que ma volonté en passe pour la raison, et donc on lance des travaux qui sont pharaoniques, destructeurs, mais... À chaque fois d'ailleurs, c'est amusant quand on parle du communisme et du nazisme à quelqu'un, il se dit oui mais les communistes ils voulaient faire le bien de l'humanité. Alors, en fait, c'est toujours le fait, effectivement, je ravage la planète, je tue des millions de gens, mais c'était pour faire le bien, et donc en fait, l'intention initiale est réputée valoir absolution pour toutes les catastrophes qui s'en suivent. Parce que voilà, il y avait l'idée de... être le fils de ses propres œuvres et en soi quelque chose de plus héroïque et de plus aimable que d'être bêtement le fils des œuvres des autres et d'être bêtement dans la transmission. C'est le bon sentiment qui crée le sectarisme le plus redoutable, disait aussi. C'est ça, les idées généreuses. Les idées généreuses. La nature est donc de droite, mais le militant écologiste est réputé de gauche. Alors, est-ce qu'il est un conservateur inconscient, ou est-ce qu'au contraire ces pulsions volontaristes et transformistes le pousseront à ne plus être écolo? Enfin, je pense qu'il faut distinguer Cécile Duflot, José Bové, Gauthier Besdemerck, qui sont tous militants écologistes. Il y en a qui se sont emparés de la question de la nature parce que c'était pour eux une manière de modifier les rapports de force. Si le grand capital est un prédateur de la nature, le fait d'être défenseur de la nature permet de s'opposer au grand capital. Et donc, je suis contre l'agro-industrie. Et donc, à ce moment-là, j'ai toute une série de causes écologistes qui sont directement liées à la fin des monopoles d'État. Je suis contre le nucléaire parce que c'est EDF. Je suis incapable d'être contre le nucléaire médical parce que c'est compliqué d'être contre le nucléaire médical aujourd'hui avec les thérapies oncologiques contre tel ou tel type de cancer. Mais voilà, quand il s'agit de lutter contre l'appareil d'État énergéticien, et donc il y a un certain type de militants écologistes qui reproduisent ce côté marxiste, qui est de dire en fait la nature n'existe pas en tant que telle, la nature elle-même n'est qu'la résultante d'une succession de rapports de force entre humains ou entre humanité et nature, et donc il y a une matérialité qui de toute façon n'existe que dans ma conscience. Donc ce militant gauchiste là contre un certain type d'action qui peuvent paraître être antinaturelles, mais uniquement à cause du rapport de force social qui est intégré dans l'utilisation qui est faite de la nature. Une fois qu'on aura transformé l'intégralité des grands acteurs agro-industriels, le groupe Avril par exemple, donc le sueur, Puget, les poulets, les aliments qui poussent au Brésil et qu'on fait venir en France, etc. Le groupe Avril est juste une catastrophe absolue. Si jamais ça devenait une coopérative, du jour au lendemain, ce militant écologiste-là considérait que le rapport de force ayant été inversé, en fait, il n'y a plus de problème écologique dans la poursuite des opérations du groupe Avril. Parce que ce ne serait plus le même capital qui serait prédateur de la même nature. Et puis après ça, il y a des gens comme José Bové qui expliquent qu'on peut difficilement
lutter contre les OGM quand il s'agit de blé et être pour la GPA parce que fondamentalement il s'agit d'une manipulation du vivant, et il s'agit d'une marchandisation du vivant, il s'agit d'une privatisation du vivant et donc mais lui aussi intègre juste la même réflexion qui est de dire voilà, je ne peux pas être contre le marché dans un cas et pour le marché dans un autre, donc je suis systématiquement contre le marché. Donc il ne fonde pas son ils ne font pas son opposition à la GPA sur un véritable respect de la nature, de ce que la nature est censée donner. Ils le fondent juste sur le présupposé anti-mercantile qu'il a au départ dans sa réflexion. Bon, et puis il y a Gauthier Besdebert qui est juste sympa, mais qui a décidé d'être à la fois de droite et de gauche, de suivre la route de Laudato Si, et donc sans s'interroger sur le fait que une fois qu'on aura promu l'intégralité des gouvernements mondiaux, il y aura vraisemblablement dans l'agriculture et dans la nature exactement les mêmes effets que la mondialisation produit déjà, donc qui est la destruction de l'environnement. Le fait que le pape appelle à une gouvernance mondiale de la pêche ne signifie pas qu'on pourra à nouveau pêcher peinardou des écrevisses dans les rivières. Ça signifie juste qu'on aura détruit la capacité pour les Français d'avoir leurs propres écosystèmes bien adaptés aux conditions locales. Est-ce que le militant écologiste de base, en fait, à profond, le vert et le rouge, si j'ai bien compris, n'est tout simplement pas un daltonien ? Il y a une cécité. Alors, il y a des idiots utiles aussi, après tout, parce que, cela dit, maintenant, quand on reprend le militant écolo de base, qui explique qu'il achète local, qu'il n'achète pas les grandes marques, qu'il n'en a rien à faire de changer de vêtements régulièrement et qui est content d'être low-tech, après tout, c'est plutôt un exemple pour nous tous, quoi. Je veux dire, les mecs de mai 68 qui ont décidé de lacérer le portrait de Richelieu par Philippe de Champagne à la Sorbonne étaient des crétins. Les types de mai 68 qui ont décidé de s'expatrier pour faire des fermes autogérées, c'est un exemple pour nous tous. La droite et nos milieux ont raté la capacité à s'enraciner dans le réel. On est tous en train aujourd'hui de parler, moi le premier, quand j'avais 20 ans, le discours que je tiens sur l'écologie était légèrement différent. C'est tout juste si je ne désirais pas polluer un peu plus pour faire braire l'écologiste moyen. Mais ils nous ont donné effectivement le sens d'un véritable enracinement. Donc, et il n'y avait que la famille de l'écologie qui est devenue une écologie ultra-gauchiste qui à l'époque le disait. Mais à l'époque, nous soutenions le nucléaire alors qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui comment gérer les problèmes des déchets nucléaires. Donc autrement dit, la droite en fait a vomi l'intégralité des progressistes mais en manquant de discernement. Gérard Leclerc, donc, qui a fait partie de la vieille maison, qui après est passé du côté de Renouvin et qui maintenant est assez revenu de tout, même s'il est encore chez Renouvin, est un militant de mai 68 tout à fait intéressant là-dessus. Donc c'est Gérard Leclerc, celui qui dirige la France catholique, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Donc il a vécu mai 68 et je trouve que il a un discours sur mai 68 qui est intéressant. Et donc on devrait, nous, avoir un discours sur l'écologie qui est un peu modeste. Même si, effectivement, dans les années 60, il y avait de très bons articles dans la science française qui étaient déjà des articles contre l'agroalimentaire. Et donc, autrement dit, il y avait déjà une réflexion écologique très intéressante. Pierre de Meuse, je crois, travaille là-dessus. Jean-Philippe Chauvin travaille sur l'histoire de la pensée écologique royaliste. Enfin, c'est intéressant, mais on est quand même, une fois plus, en matière d'expérimentation, d'engagement réel, d'être sur le terrain, on est quand même hyper à la traîne de tous les militants écolos qui, aujourd'hui, sont capables, effectivement, d'animer des villages entiers avec coopératives, boulangeries, vieilles semences, ruchers collectifs, séances de théâtre et bijoux ethniques. Et le problème, voilà, c'est qu'eux aussi, ils font un lot complet, quoi. Est-ce que, peux-tu nous dire dans quelle mesure le syndicaliste de la FNSEA est un gauchiste qui s'ignore ? Le syndicaliste de la FNSEA est un gauchiste qui s'ignore, puisque voilà, c'est un vrai gauchiste, parce qu'en fait, il est un vrai gauchiste comme aujourd'hui. C'est-à-dire, les gauchistes se sont quand même vendus au capital. Là. Ils ont le socialiste hollandais, le libéral socialiste a complètement abandonné l'idée d'un quelconque collectivisme. Donc maintenant,
qui s'est vendu à l'économie de marché. Donc la FNSEA a accompagné complètement la politique agricole commune. Mais surtout, le président de la FNSEA était le président du groupe Avril. Donc, autrement dit, le type qui passait sa vie. L'un des principaux architectes de toutes les dérives de l'agroalimentaire était censé être celui qui défendait les paysans. Et évidemment, ça ne marchait pas. Bizarrement, la FNSEA a toujours été du côté de, par exemple, du gigantisme des exploitations agricoles au nom de la rentabilité des exploitations. Elle a toujours été du côté des exploitations agricoles les plus mécanisées au nom de la rentabilité. Autrement dit, c'est la FNSEA qui a détruit l'intégralité de l'emploi dans les campagnes. C'est la FNSEA qui, généralement, fait partie des commissions d'attribution des subventions pour la rénovation agricole. Autrement dit, donc les gens de la FNSEA font partie des commissions qui attribuent des subventions, généralement aux gens de la FNSEA, pour mettre en œuvre les projets de la FNSEA qui sont d'être toujours plus mécanisés, toujours plus informatisés, toujours moins humanisés. Donc le militant de la FNSEA, même celui qui est en train de se suicider au fond de sa ferme, est au mieux un salaud, au pire un crétin, quoi. Et donc ta question, c'était de savoir si le syndicaliste était un idiot utile ou un gauchiste. Un gauchiste, oui, c'est un vrai gauchiste, puisque il est pour une, il dans est sa pour conception une, de la nature. Il a une conception de la nature qui est purement productiviste, purement dans un rapport de force, et la nature est censée lui cracher son revenu. Il l'exploite. Alors que les militants de la Confédération paysanne, qui sont de sales gauchistes par ailleurs, ont un rapport différent à la nature. Mais là aussi, c'est intéressant. Ce sont les gauchistes qui ont fondé une association qui s'appelle Terre de Liens, qui est assez intéressante. En fait, vous avez en France, depuis Pompé, post-gaulliste, des trucs qu'on appelle les SAREP, ceux qui répartissent les territoires agricoles. SAFER. Oui. Vous avez les SAFER. Phagocytés par la FNSEA. Voilà, les SAFER sont phagocytés par la FNSEA, donc s'arrogent 8% des droits de mutation des terres agricoles. Maintenant, d'ailleurs, il y en a certains qui essayent de se débrouiller pour n'importe quel type de mutation en territoire agricole, donc y compris une maison, une résidence secondaire, ils essayent d'en percevoir leur dîme. Et alors qu'ils sont censés répartir les terres en favorisant notamment les nouveaux exploitants, régulièrement on apprend que la SAFER a préféré confier 25 hectares de vignes aux caves Ackermann en Anjou, parce que les caves Ackermann disaient qu'elles allaient garder les 8 employés des 25 hectares, alors qu'il y avait 10 jeunes viticulteurs qui avaient déjà prévu de se partager les 25 hectares. Bon, et puis la SAFER laisse faire, par exemple, la privatisation des terres agricoles françaises par les Chinois, parce que la manière dont les mutations agricoles en France sont faites fait que c'est l'intégrale. La SAFER ne peut préempter un territoire qui change de main, donc ne peut empêcher l'aliénation par un tiers étranger, qu'à condition que ce soit l'intégralité du terrain qui mute. Donc c'est un peu de droit, mais autrement dit, si vous transformez votre terrain en société et que vous vendez 99,99% de la société à un Chinois et que vous gardez juste 0,1%, la SAFER ne peut pas préempter. Mais la SAFER ne fait rien pour faire changer la loi là-dessus. La SAFER explique qu'elle est prisonnière de la loi. Bon, bref. À côté de ça, les gauchistes donc créent un truc qui s'appelle Terre de Liens, qui est une association, qui achète des terres et les loue aux paysans. Et, autrement dit, c'est une espèce d'anti-SAFER. Il y a la FNSEA, il y a la Confédération Paysanne, il y a la SAFER, il y a Terre de Liens. Et d'une manière générale, toutes les structures étatiques sont doublées en fait, par les militants écologistes de gauche, hélas, ou assimilés gauche. Donc, les gauchistes ont mis en place des contre-pouvoirs qui sont tout à fait efficaces, puisque Terre de Liens, du coup, maintenant possède des milliers d'hectares. Donc, et ne peut pas être réputé ne pas être capable, ne peut pas être réputé ne pas être capable de gérer, ne peut pas être réputé ne pas avoir les assises financières suffisantes, et redonne à des néo-paysans, enfin loue à des néo-paysans ces terres, de telle sorte qu'ils sont en train de faire réellement surgir, avec le foncier disponible, un nouveau modèle agricole. Et c'est très dommage qu'ils soient de gauche, parce qu'en fait, fondamentalement, ce sont des tactiques de droite. Et fondamentalement, ces gens-là sont traditionnalistes, en fait. Tous ceux qui sont en train de réinventer les vieilles semences, etc., donc toutes les choses auxquelles on a envie d'adhérer, ce sont les gauchistes qui ont défriché le véritable terrain de la réaction traditionnaliste à tous les travers de la modernité. Nous, on a toujours été super forts sur le discours, mais dans l'action pratique,
Pas trop, quoi. Ben, pas trop, parce qu'il y a un manque de solidarité claire dans nos milieux par rapport à la gauche. Mais la gauche est prête à écraser l'individu au profit de l'utopie. Et donc, en fait, s'ils ont été dans cette réaction traditionnaliste, c'est parce que pour eux, c'était une utopie. Autrement dit, ils ont quand même réussi à la colorer d'un rêve progressiste. Donc, c'est là d'arrêter le massacre et de revenir, du coup, à une utopie donc, qui, d'une certaine manière, est là aussi une vue de l'esprit mortifère, de revenir en arrière. Alors que nous, qui sommes fondamentalement individualistes dans notre famille d'idées, jamais nous ne voulons sacrifier l'individu à l'utopie. Mais donc, du coup, il n'y a jamais de coopération, il n'y a jamais l'idée qu'on est en train de s'échanger par le sacrifice. Alors, on est prêt à se faire casser la gueule par les gauches. On n'est pas du tout prêt à mourir de faim au fond d'une ferme, vêtu avec du cuir non tanné et en ayant de pulls péruviens. Et aussi, ils ne vont pas vous permettre. Ils vont faire une manif en disant... Non, mais on aurait très bien pu dans les années... De la droite qui va faire des trucs pareils. Il y a le salon du survivalisme, là, samedi à Paris. Samedi et dimanche. Et lundi, mais c'est la journée professionnelle. Donc, ce qui est amusant, c'est que la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite et les adeptes du yoga en milieu urbain vont tous se retrouver au salon du survivalisme parce que le survivalisme est en train d'être une espèce de courant, transcourant politique qui propose à tout le monde d'avoir sa petite utopie, mais à dimension humaine. Et donc, chacun va pouvoir se construire sa base arrière durable, selon le théoricien italien du truc. Et on a là la possibilité, pour une fois, on voit que nos milieux se sont mis en avant dans le survivalisme et sont capables de penser le survivalisme, etc. Mais ce qu'ils sont capables de penser, c'est en fait la défaite de la société et juste la résistance dans des petits îlots, dans des petites thébaïdes, un peu comme Renaud Camus qui explique qu'il faut se réfugier sur différents aventins avec des femmes pour pouvoir perpétuer la race blanche. Alors, c'est toujours amusant quand Renaud Camus propose de perpétuer la race blanche avec des femmes. Mais le survivalisme est le premier moment où on est à peu près en phase avec ce que l'époque nous propose comme réaction traditionnaliste aux dérives de la modernité. Mais comme par hasard, c'est la réaction la moins sociale et la plus individualiste. Je ne sais pas si on est vraiment dans le cadre de la conférence et si mes doutes sur la pertinence de la famille de droite sont véritablement un soutien pour les militants, mais régulièrement l'Action française regarde du côté de la gauche parce que régulièrement la gauche a quand même des leçons à nous donner en matière d'investissement du champ culturel, d'investissement du champ économique, etc. C'est la gauche qui a créé des monnaies locales. Nous critiquons le capital, mais c'est la gauche qui crée des monnaies locales. Et qui sont malgré tout des expériences intéressantes.